faire en sorte que les trois missions principales qui sont données par le président de la République à l'armée de l'air, que sont à la fois la préservation de l'espace aérien français, la sécurité de notre territoire, la dissuasion, la préservation de nos intérêts vitaux vers, dans ce qu'on appelle la seconde composante de la dissuasion nucléaire, et puis aussi la capacité d'intervention, de réactivité, comme on le fait et comme l'armée de l'air le fait lors de conflits, et le fait avec beaucoup de compétences, mais aussi un bilan extrêmement positif si je m'en réfère à la Libye et au Mali plus récemment, où c'est l'armée de l'air qui est à l'ouverture et qui intervient en premier d'une certaine manière pour assurer la bonne cohérence du combat que nous sommes amenés à mener. Donc ces trois missions, elles sont là aujourd'hui, elles sont assumées, elles seront assumées demain à la fin de la loi de programmation et à la fin du livre blanc qui a été mis en œuvre en 2013. L'armée de l'air, ce sont des pilotes, ce sont des avions, est-ce que ce sont aussi des drones ? Ce sont déjà des drones. Les drones, parfois on confond les rôles. On parle de drones d'observation. Nous avons acheté des drones qui aujourd'hui, par exemple, dans les zones sensibles en Afrique, nous permettent d'assurer la sécurité du renseignement. Mais il faudra aboutir à ce qu'il y ait un drone européen. Très bien. Nous y travaillons. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je crois qu'on va retrouver notre reporter. Donc en 4-5 minutes à peu près, l'avion est plein. On en fait plusieurs dans une mission. On parlait des 80 ans. Ce sont les 80 ans de l'armée de l'air en ce moment. C'est aussi les 5 ans. Les 50 ans des forces aériennes stratégiques, ça fait 50 ans que ces ravitailleurs sont dans l'armée de l'air française et participent à la mission de dissuasion. Ils permettent une allonge extraordinaire. On peut aller depuis la France vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient en 4-5 ravitaillements et ensuite travailler sur place sur ces territoires. Donc c'est vraiment une composante indispensable qui permet la projection et l'intervention immédiate et loin depuis notre territoire. Nicolas Châteauneuf a posé une question tout à l'heure à Jean-Yves Le Drian en direct sur France 2, le ministre de la Défense, sur le budget. Aujourd'hui, le budget de l'armée de l'air française, en tout cas en 2012, c'était 4 mois. C'est peut-être difficile pour vous de répondre à cette question, mais... C'est relativement difficile. Nous nous entraînons tous les jours, nous effectuons des opérations extérieures. We'll